Le trésor des mots, thème 2, cahier d'activité. Production d'écrit, écrire un texte argumentatif, page 18. Lis cet extrait du texte de lecture, les biens non renouvelables. Le passage de chaque individu, de chaque génération, est certes bref, mais peut laisser des traces qui ne s'effaceront pas. Soyons conscients de notre responsabilité face à une terre que nous risquons de rendre inhospitalière. En fait, ce n'est pas la planète elle-même que nous devons respecter, mais les hommes qu'elle abrite, et surtout qu'elle abritera. En t'appuyant sur cet extrait, rédige un texte argumentatif dans lequel tu incites tes camarades à respecter la nature. Pour t'aider, voici quelques arguments à utiliser. La destruction de la nature a des conséquences néfastes sur la santé de l'homme. La protection de l'environnement est une cause vitale pour l'homme et toutes les espèces vivantes de la planète. Protéger la nature est un devoir de chacun de nous tous. Donc maintenant, on va essayer d'écrire un exemple. Je répète, quel exemple ? On va écrire un texte argumentatif qui nous encourage à respecter la nature et protéger l'environnement pour le bien-être de l'être humain et des espèces vivantes. Bien, on commence. On peut écrire « La vie des humains dépend de la qualité de l'environnement. La dégradation de celui-ci affecte sa santé et menace son existence. Ainsi, la destruction de la nature a des conséquences néfastes sur la qualité de vie de l'homme. Cela veut dire que la protection de la nature est une cause vitale pour l'homme et toutes les espèces. Donc la protection de la nature est un devoir de chacun de nous tous. »